Alors là, je désinstalle des applications sur GNOME Manjaro Linux 18.1. Donc au début, j'ai pas parlé parce qu'il n'y avait pas spécialement besoin. Et vous pouvez vous apercevoir que là, quand je désinstalle certaines choses, volontairement bien sûr, pour faire un test, j'ai bien des notifications comme quoi que ça va désinstaller ceci et cela. Mais là, vous voyez, l'utilisateur simple, on va dire, qui n'est pas avancé à Linux, pas assez avancé, on va dire, il se dit, mais bon, s'il n'a pas trop de connaissances, bon, bah, il se dit, bah, soit il dit, bah, tiens, bah oui, quand même, je vais désinstaller. Où il dit bah tiens ça craint, qu'est-ce que c'est que ça? Bah j'ose pas. Alors moi je vais faire comme si que la personne elle osait et il y a des installs quand même. Sachant qu'elle ne sait pas si ça va nuire au système. Vous voyez, parce que là, ok, ça dit attention, ok. Entre parenthèses, attention, mais on ne sait pas si ça va nuire au système. Il n'y a pas vraiment de chose qui dit attention, ça peut planter le système. Donc là, bah, hop, je fais appliquer. On verra bien. Hein. Après, je vais essayer de redémarrer, on verra bien. On verra bien ce qui se passe. Donc je désinstalle des logiciels simples. Hein. Alors, calculatrice de GNOME, bah, voilà, je vais désinstaller. Voilà. Ok, GNOME calculateur, ok, appliqué. Là, pas de message, on y va. Ok, vous voyez, il y a des fois il y a des messages, des fois il n'y en a pas. Hein. Configuration de l'impression, on fait comme si je n'avais pas d'imprimante. Je désinstalle. Là, ça me dit à désinstaller Manjaro Printer, système config printer. Ok. Ça me dit simplement à désinstaller. Ça ne me dit pas attention, ça peut planter le système. Donc, c'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. Ça vous laisse faire en plus. Qu'est-ce que je vais ensuite enlever? Capture d'écran GNOME. Voilà, on fait comme si je m'en sers pas. Je vais essayer d'être le plus rapidement GNOME Screen. Voilà, on s'en fout. Appliquer. Là, ça, il n'y a rien de plus. Il n'y a pas de dépendance. Donc ça désinstalle. Je vais aller tout en bas. Ah, non, je vais tout en bas. Après, il y a éditeur de partition Gpartite. Bon, ça, je vais pas toucher. On s'en sert. Base de données, ça, je sais pas ce que c'est. Vidéo, voilà par exemple. Voilà, je les installe, appliquer. Pas de dépendance apparemment. Voilà, c'est bon. Météo. Hop, je désinstalle. GNOME Water, appliquer. C'est bon, pas de dépendance. C'est bon, j'y vais. Hacker joie. Gestionnaire d'impression, interface, machin, gestionnaire d'impression. Je vais désinstaller, je m'en sers pas. Appliquer. Voilà, là on a un truc là. Avertissement, mais ok, mais. Avertissement ne veut pas dire. Ok, ça avertit, mais ça ne veut pas dire que ça va planter le système. Il n'y a rien qui dit, attention, le système peut planter. Et moi je trouve que s'il plante quand je vais redémarrer, c'est pas normal. Il ne devrait pas justement vous laisser faire. Si ça plante le système, je ne vois pas pourquoi laisser faire les gens, laisser faire la désinstallation de ce qui va planter, puisque, étant donné que ça plante, donc après, si vous voulez, bah, le Linux sera inutilisable. Donc je ne vois pas l'intérêt de laisser faire les personnes. Voilà, c'est là où je veux en venir. Et c'est là où je veux en venir quand je vais redémarrer. Exchat, client, ça je ne sais pas ce que c'est. Client, machin, je ne sais pas ce que c'est. Exchat, quand je vois Exchat, bah je me dis c'est un truc pour chatter sur Internet, community. Je vais désinstaller, on verra bien. Appliquer, hop, je désinstalle. Voilà, c'est bon, c'est fait. Trop tard. J'avais dit que j'allais commencer d'en bas. Download multiple URL, ça on s'en fout. On s'en bat les steaks, comme on dit. Appliquer. Voilà, c'est bon.
Je sais pas pourquoi à chaque fois ça se remet vers le milieu. Transmission, téléchargement, BitTorrent, je m'en sers pas. Appliquer. J'en étais où? Là. Gérer vos mots de passe et vos clés. Bon, ça, on va pas toucher. Numériser vos documents. Je ne veux pas numériser mes documents. Alors, j'en étais où? Ici. Organise votre collection de musique. Loli, machin, là, j'en veux pas. J'ai pas envie que tu organises pour moi, surtout si tu me fous le dawa là-dedans. Donc là, on avait dit hop, note, je touche pas, ça, je touche pas. Ça, je sais pas ce que c'est, listeur de matériel, mais je sais pas si ça sert. On va laisser comme ça celui-ci, parce que de toute façon, d'après le nom, hein, encore une fois, je me comporte comme quelqu'un de simple à Linux. Listeur de matériel. Donc je me dis, ça craint quand même. Horloge de gnome, des horloges pour connaître l'heure dans le monde. Hein, l'heure dans le monde. Bon, horloge de gnome. Pour connaître l'heure dans le monde, régler des alarmes. Bon, ça va pas toucher. HP machin. Ça, je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est un truc pour les ordinateurs HP? J'en sais rien. Bon, bah, on fait comme si que. Ah ouais, ça doit être un truc pour ça. Bon, allez, hop, je désinstalle. Je vois marqué imprimante, jet laser, je m'en fous. Je n'ai pas d'imprimante ni de jet laser. Ça, bon, navigateur, on le laisse. Gérer vos courriels, vos contacts et agenda. Non, j'en ai pas besoin. Je n'ai pas de contact. Hop, je désinstalle. Ça me laisse faire sans problème. Pare-feu, je laisse, ça je laisse, disque de gnome, je laisse. Bah, je crois que j'ai fait le tour, hein. Ajustement de gnome, je veux pas toucher. Analyseur d'utilisation des disques, je veux pas toucher. Caractère, je touche pas. Ça, je ne touche pas. Pare-feu. Bon, en même temps, je vais le lancer. Voilà. J'en profite pour le lancer en même temps. Hop, je l'active. Comme sur tous mes Linux. Voilà. C'est une petite sécurité, hein. Tout est écrit là, si vous voulez savoir, hein. Il y a juste à lire. Voilà. C'est une sécurité vis-à-vis de Internet. Donc moi, je l'active. Ok, c'est bon. Donc là, vous voyez, j'ai tout un tout. Je vais désinstaller donc pas mal de choses. Hein. Hop, je vais déjà donc redémarrer. On verra bien. Redémarrer. On va voir si je peux avoir accès à ma session. Alors j'avoue qu'en toute honnêteté, vous avez vu, il y avait quand même des messages entre parenthèses d'avertissement. Mais je dis entre parenthèses parce que il n'y a rien non plus qui vous interdit vraiment, qui vous bloque. Ou qui vous redemande une confirmation, êtes-vous certain? Attention, plantage du système, instable, etc. Hein. Ça vous prévient, mais voilà. Sans plus, on va dire. Bon, ça, je sais pas pourquoi des fois ça fait ça. Sur Manjaro, ça fait ça. Des fois, quand vous démarrez ou vous redémarrez,
Ah bien, ça fait ça là. Ça marque d'attendre 2 minutes, etc. Là, ce que vous voyez marqué en haut là, hop, juste en dessous de la flèche de ma souris là. Vous voyez, ça fait ça. Mais je ne sais pas ce que c'est au juste. Je pourrais pas vous dire là. J'ai pas assez de notions avancées Linux. Alors je laisse comme ça, mais ça ne le fait pas tout le temps. C'est sûrement Jaro en général, ça fait ça. Enfin, à ma connaissance, Linux Mint, je ne crois pas que j'ai vu ça, non. C'est surtout sur Manjaro. Mais des fois ça le fait et des fois ça le fait pas, j'en sais rien, je comprends rien. Alors j'attends, bon, vous êtes obligé d'attendre. Alors bien entendu, je suis sur VirtualBox, hein, voilà, ici. Hein. Hop, j'agrandis la fenêtre. Eh bien, apparemment, elle est debout. Manjaro, Gnome, est debout. Malgré les messages d'avertissement, je me suis dit, bah. À mon avis, c'est mort. Franchement, je me suis dit c'est mort. Bon, je vous ai rien dit, hein. Mais je me suis dit, oula, ça pue. Ces messages-là, ça pue. Et je me suis dit, ça va être mort. Mais je me suis dit, bah, je vais continuer pour voir. Et vous en faire profiter. Apparemment, Manjaro Gnome, ah ben, elle est debout. J'ai seigneur de paquet, une mise à jour disponible. Ok. Oui, bon, ça, je m'en fous. Wallpaper, j'en ai rien à foutre des images. Je m'en bats les steaks des images Manjaro. C'est debout. Je peux faire des choses. Alors, si vous voulez, je peux redémarrer encore, hein. Mais bon, là, je pense que un simple redémarrage, ça suffit pour voir. Maintenant, est-ce que ça va créer des problèmes par la suite? J'en sais rien. En tout cas. Vous avez vu vous-même que malgré les messages d'avertissement que j'ai bien eu, je précise que j'ai bien eu par rapport à d'autres distributions Linux Lite où vous ne les avez pas, on n'a pas de message comme ça, comme quoi que ça, il y a des dépendances, ça vous marque tout. Donc je dis là, paramètres. Apparemment, vous voyez, paramètres, ça ne vaut pas. Donc apparemment, vous voyez, on a bien accès à sa session, mais apparemment, paramètres ne fonctionnent plus. Allez, je clique dessus, ça ne marche pas. Je vais essayer paramètres d'affichage. Et bien là, c'est pareil. Ben là, ça pue. Ça, c'est quoi ça? La tasse de café. Désactiver l'écran de veille. Oui, je vais désactiver l'écran de veille. Autoriser l'écran de veille, non, je m'en fous. Hop, quitter. Voilà, ça pue vraiment. Je suis nerf de paquet. Et là, bah, vous voyez. Donc, je vous disais, voilà, on a bien accès à sa session. Paramètres d'affichage, ça ne marche plus. Quand je fais un clic sur le bureau, paramètres non plus. Et là, dans les mises à jour. Eh bien, ça ne vous repropose pas ceci. Alors, est-ce que c'est bien, pas bien que ça ne repropose pas? Moi, je dis que c'est pas bien. Voilà, ça c'est mon avis, hein. Je suis en train de tester. Moi, je dis que c'est pas bien. Pourquoi? Parce que, et comme sur le bureau, le clic droit, paramètres d'affichage, paramètres. Bah, ça ne répond plus, ça veut dire que normalement, ça fait partie du système, puisque c'est fait comme ça. Bon, ça, je vais annuler. Et là, je trouve qu'ils auraient dû justement reproposer ceci, étant donné que ça nuit au système. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne perturbe pas l'ouverture de la session, mais ça nuit au système.
Et là, je trouve qu'il devrait reproposer justement ces mises à jour. Et c'est pour ça que j'ai fait réactualiser, justement, pour forcer un reset sur la recherche des mises à jour, pour voir si ça me propose. Et apparemment, ça ne me propose pas. Donc là, bah, la personne qui n'est pas avancée à Linux, ah bah, elle se retrouve bah, comme un con, hein. Et puis elle se dit, merde, bah, soit vas-y en sa tête, eh ben, Gnome c'est de la merde, c'est pas stable, parce que ça marche plus, donc il va se dire, bah attends, ça commence à bugger, voilà, il va se dire ça bug, c'est de la merde. Voilà, c'est pas ce que je pense, hein, mais je me mets à la place de quelqu'un. Et moi je trouve que. Voilà, wallpaper là. Hein, ça c'est bien, wallpaper. Qu'est-ce qu'on en a à foutre du wallpaper, hein, des images, alors qu'il y a d'autres choses plus importantes. Alors maintenant, ce que je peux faire. Je fais ça, mais la personne qui n'est pas avancée à Linux, bah, va même pas se dire, bah tiens, je vais cliquer là, puis je vais faire historique. Et dans l'historique, vous allez pouvoir retrouver à condition que vous soyez à la hauteur. Il va falloir restaurer les choses. Mais maintenant, quelles sont les choses ici parmi tout ça? Quelles sont les choses qui font que l'affichage ne marche plus? Même moi, là, je suis incapable de vous dire comme ça. Il y en a certains qui sont calés à Linux avancés. Ils vont savoir, normalement. Bah, je dis en général, hein. Vous voyez, est-ce que c'est GNOME Control Center? Est-ce que c'est... Bon, je suppose que c'est pas Contact. Empathy, là, je sais pas quoi, je sais pas ce que c'est. Voilà. Cheese, ça m'étonnerait. Quoique j'ai eu quand même des messages d'avertissement, donc à savoir est-ce que c'est cheese, est-ce que c'est. Voilà. Donc là, bah, celui qui ne sait pas comme moi, bah, il est obligé de tout réinstaller. Voilà. Je suis obligé de tout réinstaller. Je me dis, bah, je réinstalle tout, ça va marcher. Bon, là, je ne vais pas le faire ce soir. Je vais le faire plus tard. C'était simplement pour vous montrer. Je referai une vidéo sur ce que je réinstalle. Je vous ferai voir ce que je réinstalle. Je vais réinstaller un par un les choses. Et on va voir si, donc, quand je fais un clic droit, est-ce que je peux avoir accès à ça et ça, à partir du bureau. Alors, est-ce que je peux avoir accès ici? Bref, je le testerai une autre fois. Là, on va dire que c'est la première partie. Deuxième partie, je vais réinstaller et réinstaller ce que j'ai désinstallé un par un. Je vais redémarrer et je vais voir qu'est-ce qui fait que ça nuit à ça. Voilà. En espérant que bah, cette vidéo va vous servir et servira aux débutants, etc. Aux utilisateurs qui ne sont pas assez avancés comme moi. Moi-même, vous voyez, je ne savais pas. Je me suis dit, ça va planter. Et quand j'ai vu l'ouverture de la session, je me suis dit, bah. Ok, bravo. Et puis j'ai eu la déception que ça ne marche plus. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine vidéo. On va voir ça. Mais on verra ça la prochaine fois. Ah, chaîne, 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 ah, chaîne,